Salut les amis, c'est LegumerTosco pour faire une nouvelle vidéo sur Gmod. Aujourd'hui, on va apprendre à comment bien utiliser Metro Stroy et comment démarrer la 720 et la 722. On va commencer sur la 722. Pour commencer, vous allez appuyer sur Q. Vous allez dans Armes, Metro Stroy et ici là, et clé d'inverseur. Après, vous allez dans Entité, Metro Stroy, Transponeur. Vous sélectionnez votre RAM, la 722. Bah, fixez ça à 3 wagons et vous pouvez choisir votre livret ici. Moi je vais prendre un Translien. Vérifiez que c'est complètement démarré. Après, veuillez mettre votre RAM ici. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller dans la cabine. Et voilà. Commencez par mettre votre numéro de RAM qui est ici, en cliquant sur les chiffres. Hop là. Après, derrière le comptoir, vous allez cliquer deux fois sur conduite sans pédale d'intention et déconnexion des circuits à l'arrêt. Hop. Et sur le comptoir en bas, vous cliquez une fois sur les deux boutons. Vous appuyez sur E sur le siège. Ici, vous cliquez là. Sur le gros rectangle, OK, là. Vous appuyez sur O, direction du mouvement, et sans sourire pour compresseur. Vous appuyez sur 1 sur le pavé numérique, et voilà. Vérifiez que pour ouvrir les portes, vérifiez que le secteur ici est bien vers la gauche, parce que le quai est sur la gauche, et cliquez ici. Voilà, pour fermer les portes, c'est ici, vous appuyez sur O. Après, bas. Et vous appuyez sur S. La limite, c'est 60 km/h sur cette portion de ligne. Hop, le panneau 40 km/h ici. Et vous appuyez sur S pour freiner. Et vous maintenez S pour ça, pour vous arrêter. Et voilà. Bien sûr que c'est un peu mal fait. Voilà. Voilà, c'est secteur sélectionné. Si vous voulez ouvrir les portes à droite, c'est ici, bouton ici. Nous, c'est à la gauche. On tourne et on clique là. Voilà, personne rentre. Et vous fermez les portes, hop et hop. Voilà. Pour éteindre la RAM, c'est même manip, c'est direction du mouvement bas, compresseur sens horaire. Et ici, hop, 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 et voilà, votre train
et éteint. Vous pouvez changer de cabine si vous êtes un heurtoir. Maintenant, on va passer sur une autre rame, qui est la 720. Hop là, vous cliquez sur 720. Voilà. Et vous cliquez ici. Alors derrière l'écran, ici derrière le petit compte, le petit truc à levier là, vous cliquez deux fois sur le gros bouton ici et vous cliquez une fois sur les petits boutons, deuxième groupe de ventilation, luminosité, machin bidule, et deuxième groupe de phare. Vous pouvez appuyer sur E sur le siège et maintenant vous appuyez sur Shift arrobase arrobase. Ici sur le petit truc, vous appuyez sur entrée et vous le spammez jusqu'à ce que vous avez cette petite interface. Clic droit ici, hop, vous appuyez ici et voilà. Maintenant vérifiez bien que vous êtes régulé ici, là c'est feu vert, mais si c'est pas le cas et même c'est on n'est même pas régulé en plus, hop, vous allez ici et vous tournez l'aiguille ici. Maintenant, vous pouvez revenir sur votre train. Ah oui, sélectionnez bien aussi un numéro ici. Hop, voilà. Mettez bien votre numéro. Vous appuyez sur 5, pas sur BTX si vous êtes freiné, et W. Ce que j'ai avec les quais aujourd'hui moi. Alors maintenant pour ouvrir les portes, c'est ici et ici pour gauche. Après, quand tout le monde est rentré, vous appuyez sur le deux fois sur le bouton vert, hop là, et après vous désactivez ici. Pour ouvrir les portes à droite, c'est ici et ici, et pour les fermer c'est deux fois ici, et vous désactivez. Vous appuyez sur 5 et vous pouvez ouvrir porter. Voilà. Et après vous arrêtez, imaginez vous êtes en route. Et quand vous avez fini de conduire, vous arrêtez. Vous appuyez sur le 9 du pavé alphabétique. Et votre rame est éteinte. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, bye.